Je suis Nolwenn Guillou, directrice de l'école Le Blé en Herbe à Trébédan, en Côte d'Armor, une toute petite commune de 380 habitants. L'école a trois classes, voilà, de la petite section au CM2. Et toi, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens faire à Écritech? Alors, je participais à un atelier, donc parce que nous menons sur l'école à partir de lundi, c'est pas encore fait, ça commence à lundi, une expérimentation en partenariat donc entre l'équipe enseignante et des designers analystes qui visent à réfléchir et à amener les élèves à réfléchir sur la trace numérique, voilà, en réponse à des questions d'ordre pédagogique. Oui, alors qu'est-ce qui mérite d'être dit sur ton activité? C'est quoi les plus-values? Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qui est bien, quoi? C'est-à-dire que là, j'ai des questions très pratico-pratiques dans ma classe de mise en œuvre d'ateliers avec des enfants de maternelle, des ateliers autonomes. Donc, il y a cette question de la trace que les enfants vont pouvoir conserver pour que je puisse la voir, pour qu'ils puissent la diffuser, la transmettre aux familles aussi. Et donc là, l'outil numérique prend tout son sens parce qu'il peut me permettre de répondre à ces problématiques. Par exemple, quand les enfants sont en plan de travail, qui sont sur des activités individuelles, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui va être amené une activité alors que les autres enfants à côté emmèneront une autre, il y a cette problématique de la passation de la consigne au moment où l'enfant prend son activité. Moi, je peux être occupée à faire, à accompagner un élève sur une difficulté qu'il aura. Donc là, on peut renvoyer l'enfant vers une capsule vidéo toute simple que soit l'enseignant aura enregistrée, soit un autre élève qui est indiquera à l'élève la consigne de son activité. Voilà, ce qui permet d'être autonome sur la gestion de son plan de travail, ce qui n'exclut pas le fait que ce soit un autre élève qui lui explique en direct. Si c'est possible, tant mieux. Voilà, on ne fait pas de l'outil numérique le seul outil. Ils peuvent s'expliquer entre eux, mais il peut aussi y avoir un moment donné où personne n'est disponible, et là, il faut avoir un outil référent. Donc ça peut être la capsule vidéo que l'enfant va chercher avec la consigne. Alors, maintenant, l'épreuve. Ah oui, l'épreuve, oui, l'épreuve. Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette à Écritech. Si ces chaussettes sont si chic, c'est pour être chouette à Écritech.